Et moi je connais des gens très très doués qui font des trucs que je trouve géniaux et qui font 5 ans de vues.
alors qu'à côté, il y a des couches de merde qui vont faire des millions de dollars. Tu vois, il y a une espèce d'injustice. La qualité n'est pas forcément synonyme de quantité, un nombre de vues, et qu'il y ait des nombres de vues, ça permet d'en vivre quand même. Donc ça, c'est vraiment très très... Le conseil que vous donnez aux gens, c'est n'essayez pas d'imiter quelqu'un, soyez vous-même. Toi-même, tu fais ton blog avec ton cœur, avec ta passion, c'est ce qu'il faut. Et tu n'essayes pas d'être différente de ce que tu es dans la vraie vie. Voilà, t'es dans la vie, c'était une personne intéressante, et ben ça suffit, il n'y a pas besoin de plus, tu vois. Pas faire l'animatrice ou je sais pas quoi, tu es quelqu'un d'intéressant, il suffit que tu sois toi-même, ça va intéresser les gens, normalement. Après, il faut trouver un petit concept, un petit créneau, une niche, qui fait que c'est que tu es, qui te différencie des autres. Voilà. C'est quoi vraiment ton mauvais souvenir dans la rédaction? Ah oui, c'est affreux, là, c'est tout le temps, oh là là, c'est la tour de la question. Tu mets des mauvais côtés aussi, oh, oui, bah oui, on parle des côtés super bons. Tu veux dire en tant que journaliste, voilà. Il y a un truc, par exemple, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un vrai métier, en fait. C'est-à-dire, tu vas être un peu vulgaire, mais je compare ça à acteur de porno. Alors les baisers, c'est super, c'est vachement bien. Des baisers devant une caméra, avec de la pression et des gens que tu connais pas, qui sont plusieurs parfois, c'est pas du tout la même chose que l'amour dans la vraie vie. Bah, le testeur du jour, c'est pareil. Quelqu'un qui achète Skyrim, il va payer 60 euros, il va y jouer 4 mois, il va faire 400 euros. Moi, en tant que journaliste, je dois tester Skyrim. Et je dois tester Skyrim, mais derrière, je dois tester Need for Speed et Assassin's Creed et GTA, etc. Peut-être dans la même semaine, je dois tester 4 jours. Donc mon boulot, il est compliqué parce que je ne peux pas, moi, passer 400 heures dans ça. Je le fais en dehors du boulot parce que je suis bien passionné et je le fais en plus. Donc voilà, c'est vraiment un vrai métier. C'est très différent de la réalité où tu joues. Alors moi, les gens, ils savent que je suis pas un tableau de jeu. Mais tous ceux qui disent « Ah, t'es vraiment nul, tu dois faire un effort », je dis « Essaye de jouer et de parler. Essaye d'avoir une conversation construite. Soit t'es bon au jeu, soit ta conversation est intéressante. Mais à moins d'être surhomme, t'as pas les deux. Moi, je préfère les vannes et argumenter que bien jouer. Je m'en fous d'être pas. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que ce soit intéressant ce qu'on fait, mais ça nécessite des capacités surhumaines. Il faut choisir. Et un exemple type, c'est Tomb Raider. Tu sais, la fameuse scène avec la boule. Qui te court après, voilà, quand j'ai testé Tomb Raider pour... Parce que moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, ouais. Alors déjà, il faut y arriver à survivre à la boule. Quand j'ai testé Tomb Raider à l'époque pour mes potes déjà, je voulais bien filmer cette scène de la boule et expliquer que c'était comme un manager, etc. Il y a des checkpoints dans Tomb Raider, ils sont très éloignés les uns des autres. En l'occurrence, la boule, le checkpoint est juste après. Ça veut dire que tu joues 20 minutes jusqu'à la boule, et une fois que tu as la scène de la boule, tu la filmes et après, tu as un checkpoint. J'arrive une première fois, je me fais tuer tout de suite par la boule, donc je recommence, une deuxième fois. Et là, j'arrive à courir très vite et à échapper à la boule. Sauf qu'à l'image, on ne voit pas la boule, parce que la caméra cadre Lara Croft, on la voit qui court dans un couloir, et la boule, elle est hors champ. Tu sais qu'elle est là, mais elle est hors champ, donc j'ai pas d'image. Pour avoir l'image que je veux, il faut que je cours pas trop vite pour me faire écraser, mais suffisamment près de la boule pour qu'on la voit. J'ai dû refaire 40 fois ça, jusqu'au moment où sans me faire tuer, et voilà, et on avait la boule. C'est le pire souvenir, alors que c'est un jeu génial. Et que dans le jeu, quand tu vis en tant que joueur cette scène, elle est géniale. C'est Indiana Jones, c'est un grand moment à toi. Donc ce grand moment de jeu vidéo pour plein de gens, moi, est un de mes pires cauchemars, parce qu'en tant que testeur, filmer ce moment devient un truc vraiment terrible. Peut-être pas 40 fois, mais 10 fois, j'avais autre chose à faire, parce que je n'étais pas le seul jeu de tester. Donc ce genre de moment, pour les testeurs, c'est des moments très difficiles. Donc ça explique pourquoi sur Twitter, c'est Marcus le poulet. Exactement, mais moi j'assume. Et puis voilà, moi je milite pour un jeu vidéo, comment dire, convivial. On s'en fout de la performance. Je suis très admiratif des star players comme Kayane, Genius, Titis, tu vois, mes potes qui ont des capacités incroyables, je trouve ça génial. Et en plus, il se trouve que c'est aussi des bons animateurs. On arrive à mêler les deux. Mais je suis pas dans la compète, moi. Je m'en fous de gagner. J'ai envie de jouer. J'ai envie de partager un bon moment avec des gens. On gagne, mais on gagne. C'est pas important. Donc je trouve que c'est bien de montrer ça. Le fait de s'appeler The Poulet, ça montre qu'on s'en fout de jouer au moment où on joue. Et pour moi c'est important, c'est la partie de ma vie. C'est ma nature, c'est ma personnalité. Je te disais, il faut être comme on est. Tu vois, si je voulais, j'aurais pu me dire, je vais faire l'animateur et puis les émissions, on va les monter, on va enlever tous les moments où je suis mauvais, pour ne garder que le moment où je suis fort. Puis je vais écrire un petit commentaire avant, puis je dirai en voix off par-dessus le truc. Ça, ce sera bien, ce sera nickel. Mais c'est pas moi.
voir. Et les gens, ce qu'ils aiment, bah, c'est que tu sois toi-même. Donc déjà, ils m'aiment bien parce que je suis un peu maladroit. Souvent, quand tu regardes la télé, les mecs sont plus beaux, plus forts, plus riches que toi. Ben non, moi, je suis plus mauvais, je suis pas beaucoup plus riche. Ils sont plutôt moches, ils vont manger trop mieux qu'elle a. Donc, ça te rend humain et sympathique auprès des gens. Et voilà. La relation avec les gens, elle est géniale. Il n'y a pas la barrière de la différence. On reçoit des gens toute la journée sur le podcast. Il y avait l'effet de Justin Bieber. Oh mon Dieu, c'est Marcus. Non, tu m'as reconnu. La personne qui a pleuré devant toi. Non, il y a pas ça. Pas ici, mais il y a une fille qui m'a fait à la Justin Bieber. Mon Dieu, c'est Marcus. Et depuis, on est devenus copains et tout va bien. Mais voilà, quand t'as 15 ans, quand t'es ado, t'es un peu émotif et tout. Maintenant, c'est pas mieux ça. Un petit mot pour la fin. Oui. Alors moi, je voudrais lui aller voir ton plat, parce que je ne connaissais pas dans cette interview. Donc toi, tu fais quoi pour cette interview? Alors moi, Test de jeu, mais... Ouais, alors on fait des tests de jeu, on fait des critiques de films, des critiques de séries, des critiques de livres, des essais qui d'accord. On n'a pas beaucoup de classe, mais on est beaucoup plus. Donc il y a des jeux, ouais, Xbox, PS4, Nintendo, DS, on est partout PC. Là, je vais voir. Allez voir aussi, mettez des pouces, des likes. C'est pas très moderne, c'est pas trop ça marche. Mais c'est des gens bien. Allez liker là. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.